Richard Rubel, une dernière. C'est l'échevin de la culture, de Bruxelles et de la propreté. Un monsieur très rigolo, monsieur Tanguy de Rosemorduc de la Quétule de la Clé du Portail de Bon Jardin. C'est le frère de Jeannine. Et donc, ils se sont réunis avec le comité parce qu'ils n'aiment pas le désordre. Notamment, on voulait faire une patine couleur pêche sur la grande place de Bruxelles, sur l'hôtel de ville. Ils ne sont pas du tout d'accord. Et ils trouvent qu'il y a beaucoup trop de rats à Bruxelles. C'est insensé. Ils ont tout essayé pour enlever ces rats. Ils ont pris de l'anti-rat. Enfin, tout. Ils ont tout essayé. Enzo Wurt, quoi. Non, c'est pas l'attaquant d'Anderlecht, hein, Enzo Wurt. Et alors, un jour, il apprend par un journal. Ben, ça a mis des années. Ça, il lisait que l'éventail, hein. Et il apprend par un journal qu'il y a un mage en Suisse qui s'occupe de répondre à tous les problèmes. Et ils vont voir ce mage, ils prennent le TGV vers Genève. C'est génial, c'est la première fois qu'on va en Suisse pour chercher un antidote contre les rats. C'est génial. Et il s'appelle, bonjour monsieur, bonjour. Il paraît que vous auriez un problème pour... un remède pour régler notre problème sur les rats. Ben oui, j'ai un remède. Voilà une petite boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben voilà, il y a un rat. Et à ce moment-là, on voit un rat rose. Mais tout est rose. Sa queue est rose, ses cils sont roses, ses moustaches sont roses, ses pieds sont roses, son machin est rose. Tout est rose. C'est génial. Mais comment est-ce que ça... Je ne comprends pas comment est-ce que ça va être un remède. Vous amenez ce rat à Bruxelles, vous allez voir, tous les rats vont mourir. Ils sont un peu débiles, ces Suisses, mais why not, hein? Et il revient dans le TGV avec son rat dans sa boîte, son rat rose. Et c'est génial, ça change du Golden Retriever. Et ça mène à Bruxelles et il lâche le rat dans Bruxelles. Et tous les rats de Bruxelles vont derrière ce rat. Et à un moment, il traverse le canal de Willebroek et tous les autres rats tombent noyés. Et le petit rat ressort. Oui, c'est génial, quelle propreté, c'est mieux qu'un aspirateur Kerbit, c'est génial. Voilà. Non, c'est pas fini, mon histoire, connard. Bon, alors, j'ai rien dit, moi. C'est lui. Bon, et à ce moment-là, si on l'essayait une deuxième fois pour dératiser vraiment ce qui reste, quoi, why not? Et il relance son petit rat rose, il se promène dans Bruxelles, tous les rats le suivent, enfin, ceux qui restent, les vieux rats de Bacartier, des Marolles et tout. Et là, ils suivent, ils tournent dans le canal de Willebroek, plus un rat. C'est génial, maintenant on va devoir ramener ce rat à Genève, génial. Et ils prennent le TGV, ils prennent leur petit rat rose, génial. Ils arrivent à Genève. Alors, ça s'est bien passé? Oui, génial, il n'y a plus un seul rat à Bruxelles. Mais une question que je peux vous poser, est-ce que vous n'auriez pas un flamand de la même couleur? Voilà. Voilà qui va calmer les problèmes. Luc, non. Regardez-toi,